بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. طلبتنا الكرام في قسم اللغة العربية، محاضرتنا لهذا اليوم هي طريقة تصريف أفعال اللغة الفرنسية. طبعا هذه المحاضرة هي تأتي ضمن سلسلة مادة اللغة الفرنسية كاختصاص ثاني لطلبة قسم اللغة العربية في كلية الآداب. فأعزائي الطلبة، كيف ça veut dire un verbe؟ Un verbe décrit une action ou un état. Les verbes en français sont classés en trois groupes. Le premier groupe comprend tous les verbes dont l'infinitif se termine en -er, sauf verbe aller. Le deuxième groupe comprend les verbes qui se terminent en -ir, tandis que le troisième groupe comprend tous les autres verbes dont l'infinitif se termine en -ro, -or, -ir, -ir et -or, comme aller, courir, faire, vouloir, prendre. Ici, il y a une scène explicative de la conjugaison de l'indicatif présent et les groupes des verbes français. Ici, le premier groupe qui comprend tous les verbes qui se terminent en -er, sauf verbe aller, aimer, chanter, regarder, écouter, manger, parler. Le deuxième groupe comprend les verbes qui se terminent en -ir, comme finir, grandir, grossir, maigrir, grossir, choisir, agir. Tandis que le troisième groupe comprend verbes différents, dormir, ouvrir, venir, courir, savoir, vouloir, beauvoir, recevoir, prendre, dire, lire, faire, écrire, boire, etc. Avant de conjuguer les verbes, l'étudiant doit savoir les pronoms personnels, comme « joue »,« tu »,« il »,« elle »,« nous », »,« vous », »,« il », »,« elle ».« Joue »,« ana », »,« tu »,« ante », »,« il »,« hua », »,« elle »,« lié », »,« nous »,« nah », »,« vous »,« antum », »,« il »,« hum », »,« elle », »,« hun ». L'étudiant doit savoir aussi l'infinitif de verbe et doit finir en une des terminaisons suivantes. O-R, I-R, R-O, O-I-R. Et puis, il doit savoir qu'est-ce que ça veut dire le radical et qu'est-ce que ça veut dire la terminaison. Par exemple, verbe parler. Verbe parler est un verbe de premier groupe. Quand nous voulons conjuguer ce verbe, on doit supprimer er et puis nous avons le radical de verbe parler et puis nous allons ajouter les terminaisons consacrées au verbe de sous-groupe qui comprend, écouter, quitter, arriver, etc. Les terminaisons, l'étudiant doit savoir les terminaisons que nous allons ajouter au verbe quand le sujet sont « je »,« tu », »,« il », »,« elle », »,« nous », »,« vous », »,« il », »,« elle ». Par exemple, parler, parler. Je parle bien français. Tu parles. Il, elle parle, nous parlons, vous parlez, parle. Il parle, elle parle. Nous voyons la terminaison O, OS avec le sujet tu, la terminaison O avec le sujet il et elle, la même chose quand le sujet est nous,
il faut ajouter O en S. Quand le sujet « vous », il faut ajouter au radical de verbe O, Z. La même chose quand les sujets sont « il » ou « elle ». D'accord ? Il faut ajouter au radical de verbe O, N, T. La même chose dans cet exemple, verbe « manger ». Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Nous avons un exercice, conjuguer les verbes en parenthèse. Par exemple, quand le verbe infinitif marcher, il faut écrire marche. Il marche dans la rue. Les enfants vont à l'école. Quand l'infinitif aller. Quand l'infinitif complété dans la phrase numéro 4, il faut dire ou il faut écrire Ali complète ses devoirs dans la maison. Nadia et Hébé mangent au restaurant. Quand l'infinitif manger. La même chose, Marie aime le voyage, aimer. L'infinitif aimer devient aime avec le sujet, le troisième personne singulier. Il faut écrire aime le voyage, Mouna et Zeynep parlent bien le français quand l'infinitif est parlé. Alors, et puis, nous allons voir la modalité de la conjugaison des verbes de 12e et 3e groupe. Les verbes du 12e groupe se terminent en IR, à l'infinitif. La conjugaison et le sens des formes qui peut prendre un verbe dans le contexte. L'étudiant doit savoir la conjugaison d'un verbe de deuxième groupe au présent sous forme à partir d'un sens radical. L'infinitif sans IR et puis on ajoute à ce radical les terminaisons suivantes. IS